Ce jeudi 7 septembre, M6 propose un nouveau prime de sa série courte à succès en famille, dans laquelle Brigitte, la mamie rock'n'roll, dévoile bien des secrets, dont celui de son ascendance d'Oran. Marie Vincent, son interprète, nous en dit plus. Avis aux fans d'En Famille. Ce jeudi 7 septembre, M6 propose, en prime, une soirée spéciale et inédite des péripéties de la tribu. Le pitch de l'épisode? À l'ouverture du testament de sa mère chez le notaire, Brigitte apprend qu'elle a hérité d'un château. Toute la famille découvre alors que la doyenne a menti sur ses origines et qu'elle vient de la noblesse. Outrée par les mensonges de leur mère, Marjorie et Roxane lui demandent des comptes. Elle découvre alors une histoire familiale plus tourmentée qu'elle ne le pensait. Bientôt, le reste de la famille débarque, et tout le monde succombe aux joies de la vie de château. Un prime sur lequel Marie Vincent, alias Brigitte, nous dit tout point. Brigitte devient odieuse. Marie Vincent se confie sur le prime en famille de ce jeudi 7 septembre Télé Loisirs. Dans ce prime inédit, Brigitte hérite d'un château. Quel est l'impact sur elle? Marie Vincent, elle est complètement embourgeoisée, c'est la châtelaine du 19e siècle. Tout le monde est à son service et cela devient le moteur comique de l'épisode. Elle traite son mari comme son serviteur, ses enfants ne peuvent pas pénétrer dans certaines pièces et ses gendres n'en parlent même pas. C'est la reine, on pourrait l'appeler Elisabeth. Il est vrai qu'elle se transforme totalement. C'est tout le paradoxe du personnage, elle devient odieuse, les gens ne lui arrivent pas à la cheville car elle fait partie de la noblesse. En même temps, on apprend qu'elle est partie par amour. Elle aurait pu avoir une vie matérielle plus grisante, épouser un noble mais elle tomberait de dingue amoureuse de Jacques, plaque tout et part en mobylette avec lui. Grâce à ce prime d'En Famille, on apprend que Brigitte est partie par amour, confie Marie Vincent. Avez-vous apprécié d'en apprendre plus sur son histoire? C'est très intéressant de savoir d'où vient cette femme au vocabulaire cru qui est contre tout et politiquement incorrecte. On se rend compte du doigt d'honneur qu'elle a fait à sa famille. Quel a été votre prime en famille préféré jusqu'ici? J'ai adoré Vacances en Bretagne, on a tourné dans des endroits sublimes comme Dinard. J'ai aussi beaucoup aimé celui tourné près de Biarritz, le mariage de Marjorie, note de la rédaction, où Jacques a une histoire avec une femme, jouer la jalousie féroce m'a vraiment plu. Les primes sont des occasions de rallonger le temps, de développer certains sentiments qui ne sont qu'évoqués dans le programme court. Et puis on est comme une troupe de théâtre en résidence, on est immergé dans l'histoire, on travaille ensemble jusqu'au bout. Pour le prochain, on espère bien prendre l'avion, la réunion est dans les tuyaux. Inch'Allah comme on dit. Just me.